Hello mes lapis, dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous une recette de lotion gingembre faite maison pour lutter contre l'alopécie, réduire la perte excessive et donner du volume aux cheveux fins. Mais avant de commencer, je tiens à remercier tous mes abonnés pour votre support incroyable. Et un remerciement spécial pour mes soeurs et mes tatas de la Côte d'Ivoire et du Cameroun qui ont visité ma chaîne. J'apprécie vraiment votre présence. N'hésitez pas de laisser un petit commentaire. Vous êtes incroyables. Si vous êtes ici pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour que YouTube suggère davantage cette vidéo. Maintenant, passons à notre recette. Pour préparer la lotion au gingembre, on va commencer par éplucher environ 3 morceaux de gingembre frais, laver dans beaucoup d'eau pour éviter les microbes, découper en petits morceaux. Pour faciliter le mixage, je vais utiliser le lait d'avoine que j'ai trempé pour réaliser mon soin du jour. Dans un mixeur, je mets le lait d'avoine et le gingembre, puis les mixer. On sait déjà que le gingembre est connu pour stimuler la circulation sanguine vers le cuir chevelu, ce qui peut favoriser une croissance saine. C'est aussi un puissant assainissant. Il rééquilibre le microbiome du cuir chevelu pour traiter les étapes pelliculaires. Il aide le cuir chevelu à se débarrasser des impuretés, de soulager les démangeaisons, mais ne pas trop l'utiliser pour éviter l'irritation. Si vous avez un cuir chevelu irrité ou êtes sujet aux démangeaisons, le lait d'avoine peut aider à apaiser ces inconforts. Je la filtre à l'aide d'une passoire, puis je mets le jus dans une bouteille à compte-gouttes pour faciliter l'application. Non, mes chéris, rien ne se gaspille chez moi. Regardez jusqu'à la fin pour voir ce que je vais faire avec le mat de gingembre que je vais l'utiliser pour faire une huile de gingembre. Et voilà mes lapis, maintenant la notion est prête à appliquer. Avant d'appliquer la lotion, je vous conseille de laver vos cheveux avec un shampoing doux. Cela permet de nettoyer le cuir chevelu et d'éliminer toute accumulation de produits. Appliquez la lotion directement sur votre cuir chevelu. Concentrez-vous sur les zones où vous avez une perte de cheveux ou souhaitez plus de volume. Laissez la lotion sur votre cuir chevelu pendant au moins 30 minutes sous un bonnet plastique. Et pour un traitement plus intense, vous pouvez la laisser toute l'année. Après, rincez vos cheveux avec de l'eau tiède. Pour des résultats optimaux, utilisez la lotion 2 à 3 fois par semaine. Et voilà mes chéris, vous avez maintenant une lotion naturelle pour aider à combattre l'alopécie, réduire la perte de cheveux et donner du volume à vos cheveux fins. Thank you.
Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser vos commentaires. Partagez vos résultats avec nous et dites-nous quelle autre recette vous aimeriez voir. À bientôt pour une nouvelle vidéo.